Raconte trop ta vie, t'es bon qu'à ça. Tes trucs de pute, on fait pas ça. Y'a réseau satellite, on nettoie ça. Celui qu'envoie signaux pour le passage. Faut que les traites les vendus, qui donnent des go aux ennemis, qui dévoilent tout au rendu, qui te traitent comme un ami. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Wesh équipe, bon bah on se fait la petite vidéo actu du week-end comme d'habitude, la petite vidéo actu du samedi. Et négro, je vois tout comme Fico. Bah équipe, par commencer cette petite vidéo actu du samedi, on a Sakash qui a annoncé la sortie d'un nouvel EP de 9 titres qui va s'appeler IRL et qui sera disponible le 3 novembre. Et il a donné rendez-vous ce dimanche pour un nouveau clip et l'ouverture des précommandes en édition limitée. Donc voilà, en gros, il y a un nouvel EP de Sakash qui sera disponible le 3 novembre. Ensuite, il y a Medjin qui est prévu en concert ce soir au Havre. Et en gros, il y a des membres de l'équipe Reconquête qui ont collé des affiches parce qu'en fait, ils sont pas pour le concert de Medjin, tu vois. Et ils voulaient que justement, ils soient annulés. Donc en gros, ils ont collé des affiches en pleine nuit pour justement que ce soit annulé. Et il y a Medjin qui a réagi en disant « Merci à l'équipe promo pour la campagne d'affichage. Rendez-vous samedi soir au Havre pour la grande fête des convaincus. Dernière place. » Et il a mis justement le lien de la billetterie. Et en gros, c'est ce soir. Ensuite, on a Sicario du 9-8 qui est de retour. Et il a sorti un clip qui s'appelle Libre et qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Et vraiment, pour le coup, c'est grave une pépite. Je vous invite à aller l'écouter, l'équipe. Ensuite, on a Hamza qui est en concert. Et il a arrêté son concert pour stopper une bagarre qu'il y avait dans le public, tu vois. En gros, il y a deux personnes qui devaient s'embrouiller. Et il a arrêté justement son concert pour stopper la bagarre. Donc vraiment, respect à lui. Regardez. Vas-y, hein, attends, frère. Frangin, stop. On est là pour passer un bon moment, frère. Stop, arrêtez les gars, ça sert à rien. Ah, vas-y, serrez-vous la main, tranquille, voilà, y'a rien. Ensuite, il y a le streamer Amine Mathieu qui a fait un live caritatif pour le Maroc. Et en gros, il a fait une vente aux enchères et il y avait plusieurs stars qui ont offert des choses pour justement cette vente, tu vois. On a Angel, Gazo, Chacola, Kalash Criminel, Sadek, vraiment plusieurs personnes qui ont offert des choses. Un exemple, il y a le 3 fois platine de 95 d'Angel qui s'est vendu à 7 100 € et celui de qualité de Gazo à 5 600 €. Et en plus de ça, il y a un footballeur justement qui a offert sa bague, c'est Fekir, tu vois. Et en gros, cette bague-là, elle valait une valeur de 50 000 € ou 40 000 €, un truc comme ça. Et en gros, le stream de Amine a récolté 106 862 €, qui a été récolté hier soir pour le Maroc. On peut voir qu'il a dit 106 862 € récoltés ce soir pour la bonne cause. Vous êtes juste des monstres. Bravo à vous. C'est incroyable ce qu'il se passe. Donc vraiment, respect à toutes les personnes qui ont participé et à Amine d'avoir organisé ce live, tu vois. Ensuite, il y a Booba qui a réagi à un son qui est en train de tourner un petit peu partout. Et c'est un son qui a été fait par des Lyonnais. Et en gros, c'est en train de tourner vraiment partout, vous allez comprendre. On peut voir que Booba, il a dit « Ça me rassure, je pensais être le seul à surkiffer ce son. » Et regardez la vidéo. Ce soir en ville, y'a de la chatte. Je dois pas naver, je prends son Snapchat. Monte dans la bagou et ferme ta chatte. Encore une vache qui finit à quatre pattes. Et juste après, Booba il a piqué Maes, puisque Maes il était en showcase à Dubaï. Et on peut voir que Booba il a dit Pancartman, en showcase à Dubaï hier dans une salle vide. La gestu en dit long. Trois petits points. Et là il pique Maes, tu vois. Et juste après, il a laissé un message à Gims, puisqu'il y a quelques jours on a vu le combat entre Jordan Zebo et Cédric Noubé. Et on a vu la réaction de Kylian Mbappé. Et dans cette vidéo, il y avait Gims qui essayait de regarder Kylian Mbappé, tu vois. Et c'est en train de tourner sur Twitter, il y a tout le monde qui a parlé de ça. Et on peut voir que Booba il a dit « Gims, j'avoue, eye contact en lunettes noires, c'est pas évident. En même temps, si tu les enlèves, c'est encore plus compliqué. » Avec un emoji mort de rire. Et juste après, il a piqué Gigi B. Puisqu'en fait, Gigi B a rencontré Emmanuel Macron. Et il lui a serré la main. On peut voir que Booba il a dit « Cette poignée de main. » Et il a mis un emoji qui se tape la tête. Et il l'a remis sur Twitter en disant « Gigi B, t'avais vraiment rien à faire chez nous. » Bon vent, trois petits points. Et il a mis le drapeau pirate. Et il y a une personne qui a commenté et qui a dit « Après gros, t'as des photos en 4K avec Jean Messia et Bolloré, hein, avec un emoji mort de rire. » Et on peut voir que Booba il a dit « Et pas toi. » En gros, il n'a pas de photo avec lui, quoi. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est par rapport à cette vidéo que il a clashé Gims et Gigi B.
Il a mis à Gims, c'était pendant le match de Cédric Doumbé, et non, pas question pour Kylian de faire copain-copain avec le rappeur, malgré la recherche intensive de eye contact. Enlève les lunettes, ça sera plus simple déjà, et c'est pas facile. Comment ça va? Chapeau, vous, quel parcours? Ouais, c'est impressionnant. Moi je sais, mais je suis là. Je suis un peu le fils. Ah non, lui c'est là. Ensuite, il y a Jordan Zebo qui est passé en interview sur Click. Et en gros, il voudrait une revanche avec Cédric Doumbé. Et ben Cédric Doumbé, il lui a répondu en vidéo. Et c'est en train de tourner vraiment partout. En gros, il veut faire un sparring avec lui. Et le tout filmé, tu vois. Mais pas faire ça organisé dans une salle pour éviter de faire venir du monde. En gros, il veut faire ça sur sa chaîne YouTube. Bref, regardez, il a tout expliqué en vidéo. Jordan, bon, apparemment tu veux une revanche. Jordan, je te propose quelque chose. Et tu sais très bien pourquoi je te propose ça. Les impas à France, d'abord. Et je te propose je t'avais dit qu'on s'entraînerait ensemble. Je te propose qu'on fasse du sparring et qu'on filme. On va lier l'utile à l'agréable. Du coup, t'as ta revanche, sparring. C'est filmé. Comme ça, ça ralasse aussi sur ma chaîne YouTube. Et puis, tout le monde est gagnant. Jordan, on va pas déplacer encore tout le monde au Zénith, à Bercy, à l'U-Arena. On va pas redéplacer du monde encore pour... Donc, si t'es chaud, Jordan, on fait ça et puis on s'entraîne ensemble. Et écoute pas les conseils de ceux qui te disent je sais pas quoi là, Cédric, non. Qu'est-ce que t'en penses, Jordan? Ah oui, je précise, je suis pas en train de clasher. Hein. Non, moi c'est juste pour... En vrai, ça me ferait même plaisir de voir un peu. Je suis curieux de voir ce que donnerait Jordan en sparring. Yanni en combat, en plus de 9 secondes. C'est pas un clash. En fait, voilà, je serais curieux de voir, d'échanger comme un sparring. Enfin, c'est un sparring, tu vois. Pas d'animosité. Et puis même lui, je pense que ça lui ferait plaisir de voir un peu, d'échanger des coups. C'est pas pareil, c'est pas la même ambiance, c'est-à-dire je viens pas pour lui arracher la tête en sparring, on vient pour échanger, et c'est quand même un peu appuyé, donc ça veut dire il va quand même voir ce qu'il vaut, tu vois, pour lui enlever la frustration, et moi, je pense que ça vous intéresse aussi, donc moi j'ai mon intérêt, c'est que ça khalasse, et lui, là, son intérêt, c'est de voir de un peu laver cet affront, enfin laver, essayer. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Reste fidèle à mes principes, pas de ceux qu'on l'a langue tendue. Si la justice t'a pris pour cible, faut réfléchir comme Gandhi. Faut que les traites les vendus, qui donnent des gos aux ennemis, qui dévoilent tout au rendu, qui te traitent comme un ami. Comme des professionnels, mais rien de personnel. Donné en quel honneur, papy te blesse et les balles vont te perforer. Papillon 09, connexion erronée. Genre à renterrer le avec mon pire ennemi. On fait ça vite. Tu nous fais du cinéma, simule tes plans, mais ici t'es mon fils. Y'a beaucoup de pétasses dans la cité, beaucoup de salopes dans les peuples. Viens. Du truc. Ouais, et au passage, dites-moi dans les commentaires si jamais j'ai oublié des actualités, je pourrais les rajouter dans la semaine, tu vois, si jamais j'en oublie. Je te dis à soir pour une incroyable une vidéo et une nouvelle exclue. J'ai pas d'outro qui sont prévus, donc j'essaie d'en trouver, tu vois. En fait, je tourne tout le même jour, donc c'est galère à en trouver. C'est les gangs. Histoire de chrome, donc j'ai dû sortir la Nina. Je mets la cagoule, j'attends la tombée de la luna. C'est cœur du monde, on viendra te soulever chez toi. Ça casse ta porte, maintenant il faut rendre la moula.